Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le retour de course de la semaine. Donc c'est parti, mes petits menus, hein. Maintenant que les vacances c'est fini, on reprend les bonnes habitudes. Donc lundi midi ce sera parmentier de cabillaud, purée de brocoli et pommes de terre, ça a l'air d'être super bon, c'est fait au four, c'est tranquille. Le soir ce sera croque monsieur, salade verte. Mardi ce sera des pilons de poulet avec de la ratatouille et du riz. Le soir, ce sera une salade de chèvre chaud. Mercredi, ce sera des pâtes avec des crevettes à l'ail et des courgettes. Le soir, ce sera des tartines. Le jeudi, ce sera de la purée de carottes, pommes de terre et des saucisses. Le soir, ce sera épinards, œufs durs gratinés au four. Ensuite, le vendredi, ce sera une tarte aux légumes. Le soir, poisson pané, frites et haricots verts plats. Le samedi, tarte aux légumes. Le soir, enchiladas fraîcheur. Et le dimanche, c'est la fête des mères, donc je ne sais pas encore. Donc c'est parti, je vais vous montrer le congelé parce que c'est là et qu'après je vais aller le ranger. Donc j'ai repris des crevettes, queues de crevettes décortiquées. Elles sont juste très très bonnes et franchement, ça c'est top quand vous ne voulez pas acheter des crevettes fraîches. Donc ça c'est top. J'ai repris des pommes rustiques. Ça c'est si jamais pour dépanner, elles sont super bonnes celles-ci. J'ai repris de la purée de brocoli, ça maintenant vous le savez, j'adore ça. Et j'ai repris en congelé de la purée. Normalement, je vais prendre la bio parce qu'elle était super bien, mais il n'y en avait pas. J'ai pris de la pomme lisse. C'est des bâtonnets que vous faites au micro-ondes 10 minutes tout simplement. Ensuite, j'ai pris du filet de colin, ça c'est pour le parmentier. Et j'ai pris du poisson pané, c'est du colin. Ouais, c'est aussi du colin, tout simplement. Celui-ci. Voilà, donc je range ça, je vous dis. Ensuite, c'est parti pour le frais. Donc en frais, ça c'est pour ce midi. Donc nous sommes samedi, alors je tourne sur le tour de course. C'est des girasoli, chèvre miel, tout simplement. 2-3 personnes, après en 3-4 minutes, c'est ceci. Nous n'avons jamais goûté, nous goûterons. Avec soit un peu de salade, soit des épinards, à voir. Mais ça a l'air plutôt bon. Pour ce soir, j'avais prévu des croissants jambon alimental. Donc j'ai pris ceci, j'aurais pu le faire moi-même. Hein. Mais j'ai pris ceci avec de la salade, ça sera parfait. Ensuite, j'ai repris des allumettes de bacon fumé. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a deux marques différentes. Donc, j'ai pris les allumettes de bacon tradinage, j'ai pris... Et il y avait des RTA, donc je pense qu'il n'y en avait plus, qu'ils ont dû mettre l'équivalent, voilà. Ça, c'est plutôt cool que plutôt de ne pas en mettre, voilà. Donc ça, c'est, ça sera des allumettes. Il m'en faut, je crois, pour la salade, pour les tartines. Je ne sais pas, peut-être pour la tarte aux légumes, on verra. J'ai pris deux tranches de jambon, ça c'est pour les croque-monsieur de lundi soir. J'ai pris des saucisses de Francfort, puisque le chat n'aime pas les knackis, donc j'ai pris ça. Ce sera pour avec la purée, j'en congèlerai deux bien évidemment, ou une, tout dépend de ce qu'il mangera. J'ai pris des pilons de poulet, donc là c'est 1 kg de pilons de poulet. Je vais y congeler, je pense que j'en ferai 4 et le reste je congèlerai. Ouais, il y en a 4 et 4, 8. Il y en a 8, donc j'en congèlerai 4 et j'en ferai 4, voilà. Comme ça, ça en fera pour une fois d'avance. Ensuite, j'ai repris de la crème légère fluide à 12% ce coup-ci. Je vais essayer d'arrêter de prendre la 4% parce que c'est pas de la crème, c'est un espèce de dérivé de la crème. Enfin bref, donc du coup, je préfère prendre celle-ci qui coûte un petit peu plus de points, mais c'est pas grave, je préfère manger ça. Donc voilà, j'ai pris de la fluide à 12%. Tout simplement, j'en ai pris deux. Et j'ai repris une comme ça, crème épaisse légère à 12% que j'aime énormément, celle-ci. C'est la Elevire, elle est juste très très bonne. Ensuite, j'ai pris pour la tarte aux légumes une pâte de riz. J'ai pris une bûchette de chèvre pour la salade de chèvre chaud. En fromage, j'ai pris du spécial pizza, ça va être pour mettre sur les tartines. J'ai pris de l'emmental parce que je n'en avais plus, on l'a fini hier soir avec les paritas, donc il y a 3 petits sachets. Ça, c'est top comme format, quand on est deux. J'ai repris de la mozzarella format familial, 3 sachets individuels. Par contre, elle va que jusqu'au 20 où ce sera mangé. Hop, voilà, celle-ci. J'ai repris un petit master pour le chat. Voilà, un petit dodin.
Ouais, c'est ça, de dard. Ça faisait longtemps. Et moi, je me suis repris de la vache qui rit. On en avait plus, ça faisait longtemps aussi. Et j'adore le petit design qu'ils ont fait. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, donc ça, c'était tout pour le fromage. En yaourt, moi, il manque mes yaourts. Ils ne les avaient plus. Bon, après, c'est pas bien grave. Il n'y en a pas de la semaine des yaourts. Donc, du coup, tant pis. Je rachèterai peut-être pour la semaine prochaine. Du coup, je me suis repris des compotes sans sucre ajouté. Puisque celle que j'ai là, c'est pas sans sucre ajouté. Mais je vais les manger quand même. Hein. Mais du coup, j'ai repris deux lots de 4 pommes, de 4 compotes pommes sans sucre ajouté. Tout simplement. Et pour le chat, il lui reste des danettes, tout ça. Et je lui ai repris des au soja. Voilà. Je sais qu'il les aime bien, ceux-là. Et ça va jusqu'au 29 mai. Donc, ça va quand même assez loin. Donc, ça, c'était pour le frais. Je vais ranger ça et je vous retrouve après pour le. Ensuite, nous allons passer au reste. Donc, au sec, j'ai repris des petits gâteaux pour le goûter. Donc, j'ai pris les marbrés au chocolat croquettes. Ceux-là, je les adore. Donc, j'ai pris le grand format. Il va falloir que j'apprenne à me raisonner et à n'en manger qu'un par jour. Voilà, ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Et je me suis pris pour me faire un petit plaisir des brownies. J'adore ça, des brownies. Il y a 8 sachets ou pour faire un petit dessert avec des fraises ou quoi. Ça peut être cool. Donc, voilà, j'ai pris des petits brownies. Ensuite, j'ai pris des sachets papillotes. Ça va être pour faire les cuisses de poulet. Donc, j'ai pris ail et oignon. Voilà, j'ai pris de la marque Rustica. Ils sont très très bons. J'ai pris ail et oignon. J'ai pris tomate, paprika. Et j'ai pris herbes de Provence. Donc, vous avez les épices là et la papillote là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça sera pour faire le poulet. Ensuite, j'ai pris ça si jamais on voulait faire avec les crevettes à la place de faire à l'ail, on verra. C'est une sauce curry au lait de coco. Au pire, je l'aurai d'avance parce que celle-ci, elle est très très bonne. Ensuite, j'ai repris deux sauces tomates pizza, spécial pizza qui disent saveur. Origan, elle est très très bonne, donc j'en ai pris deux. Il y en a une, ça va être pour faire les tartines. Et l'autre, je pense que je la mettrai dans la ratatouille. Voilà, vous saurez tout. Ensuite, j'ai repris du panini pour les croque-monsieur. Il n'y avait pas le jaquet, donc j'ai pris celui-ci. Ma foi, il était très bien aussi. Par contre, il va que jusqu'au 23, donc il va falloir qu'on se méfie. Il va falloir qu'on se méfie, mais c'est pas grave, je ferai peut-être les tartines avec. Ensuite, j'ai repris des œufs puisque je n'en avais plus. Donc, j'ai repris des œufs bio. J'en ai pris 10 comme d'habitude. En boisson, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris deux petites choses. Donc, j'ai repris du sirop de fraise. C'est bon, je pense qu'en sirop de fraise, je vais être blindée. Par contre, j'ai bientôt plus de sirop de menthe et j'ai plus de sirop de citron. Mais tout va bien. Ni de mojito bientôt. Et j'ai repris cette petite boisson. Alors, oui, c'est pas bon, mais de temps en temps, c'est le Virgin Mojito de chez Schweppes. Je l'aime beaucoup. Donc, du coup, j'en ai pris. Et celui-ci, on ne le trouve pas dans tous les drives, donc là, j'en ai profité. Ensuite, en fruits et légumes, j'ai repris des bananes. Bon, il m'en reste des vacances qu'on n'a pas mangé. Donc, du coup, bah, je vais manger des bananes hein, et j'en ai repris. Ensuite, j'ai repris... Après, c'est... en fruits, j'ai repris des kiwis aussi. Enfin, j'ai pris des kiwis. 4 kiwis pour 95 centimes, donc voilà. Je vais le mettre au frais et puis ça le matin, écoutez, ça peut être cool. Ça a un fruit avec un petit gâteau, c'est bon, ça équilibre les choses. En légumes, j'ai pris de la sucrine, ça faisait très longtemps que je voulais en goûter. Donc du coup, j'en ai pris. Oui, j'ai pris de la sucrine. Oui. Comme ceci. On va peut-être en faire à midi. Et de toute façon, il y en aura pour ce soir. Ensuite, j'ai repris un concombre pour faire les paniers fraîcheurs. Et j'ai trouvé ça sur le drive, parce qu'à la base, avec le poulet, ça devait être les petits pois carottes. Mais j'ai trouvé ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa. C'est pour faire de la ratatouille maison. Donc, c'est une barquette. Dedans, vous avez... il y a 6 tomates, une aubergine, une courgette, 2 oignons, un poivron et un bouquet garni, voilà. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. C'est une barquette d'1,5 kg. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je vais faire une ratatouille maison. Donc, voilà ce qu'il y en a pour les courses. J'espère que ce retour de course vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Surtout, prenez soin de vous. Bisous et bonne semaine à vous.